Artlist.io. Music licensing reimagined. Facebook, l'Instagram, le YouTube. OK, salut tout le monde, c'est Alan pour The Workshop. On est live pour le Break 1824. Un autre trailer de Artifacts. Oui, on a du plaisir, s'il vous plaît, depuis tantôt. Ça va continuer parce qu'on a d'autres à ouvrir à soir. Oui, à part ça, médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch et TikTok. C'est les cinq plateformes où est-ce que vous pouvez venir nous suivre. Si vous passez un bon moment, vous avez du plaisir, la petite chose à faire en retour pour nous aider, c'est d'en parler à vos amis, de nous suivre sur les plateformes et de liker les posts qu'on fait. C'est des petites choses qui nous donnent un bon coup de main avec les algorithmes entre autres, puis toutes les affaires compliquées des plateformes, ça nous aide pas mal. C'est l'heure, maintenant, 1, 2, 3, go. Voici le master pour le nouveau inner. En fait, on va choisir un des deux inner qui est là-dedans. Salut tout le monde, comment ça va? Salut Martin, salut Denis! Le inner de Détroit. Je vous fais faire le tour du master pour vous montrer que c'est bel et bien scellé de tous les côtés. On va ouvrir ça ensemble et vous allez choisir lequel on va faire. Voilà. Je le prends sur moi. Vous savez, on a un espace toujours plus restreint. On l'ouvre. Et vous allez décider lequel on va prendre pour ce break. Allez Mathieu, donnez-moi un S. Now's the time to shine with some Zegras. Let's go, Dean. On va sortir le premier de deux. Comme ça. Le deuxième. Donc, c'est bien ici. C'est bail. Et les deux numéros, les voici. On a le 1907 et le 06. Pas compliqué, encore une fois. 07. Comme ça. Ou 06. Donc celui qui a 3 votes, c'est lui qu'on fait en premier. Le suivant sera pour l'autre break d'après le 27, si ma mémoire est bonne. Louis-Philippe nous dit 07. Un à 0 pour le 07. Allez-y, j'attends vos commentaires, s'il vous plaît. Dites-nous lequel on prend. Dean, 07 pour une deuxième fois. Et Jonathan vient de trancher. Merci, messieurs. On fait le 07. Le 06 sera de côté pour le prochain break. On ouvre ça.
Samuel nous dit 10. Fais-moi t'es mêlé, là. Ça. Salut, Baye. On vire ça de bord. Voilà les 10. Et comme ça. Hein? Pas pire, hein? Ah, c'est beau! Ok, yes! La caisse avec les plus gros hits. Ok, c'est parti! Première de 10. On est dans le Artifacts 21-22. Si vous n'avez pas vu le produit encore, ah ben, vous allez le voir. C'est assez plaisant, merci. By the way, je vous ai sorti un petit break de fin de soirée. Si vous voulez faire un petit hockey, un petit mixeur en fin de soirée, je vous ai sorti ça. Un petit late night break. Du Black Diamond, du SP Authentique, du Artifacts. Merci, bonsoir. Ça va être malade. On va ça. Oui, Stéphane. Ok, yes. Bon, break 1824. On passe ça avec une Emerald. Sur 99, John LeClaire. LeClaire. Et LeClaire ici n'apparaît pas en habit d'aucune équipe. On va aller voir selon le checklist. Sinon, ça va être l'équipe avec laquelle il a joué le plus de matchs. Donc, on garde ça de côté. LeClaire, c'est parti. Si des fois, vous suivez le baseball en même temps à la télévision. Les Blue Jays perdent 3-0 présentement contre les Yankees en début de quatrième manche. Focus, s'il vous plaît, merci. On enchaîne avec une Silver sur 999, Rookie Chinnikov pour Columbus. Un inner de Avs, un inner de Sens et maintenant un inner de... Je ne sais pas si c'est la tendance, Stéphane, mais tabarouette. À date, ça ressemble à ça, s'il vous plaît. Hein? J'ai hâte de voir ce que ce inner-là va nous réserver. Semble avoir un jersey ici. NHL Remnants, les Jackets, deuxième de suite. Zach Werenski. Suis ça avec sur 799 Dual Jersey pour les Flyers sur Rookie Cam York. La 750 à des 799. Mathieu voudrait un inner de Détroit. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. On a. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça sent l'autographe, ça, non? Oh, let's go! Oui, monsieur! Lucas Raymond! Rookie, Otto, les Wings! Encore une fois, demandé, vous recevrez. Mais pourquoi pas, bro, goalie Tom! Booyah, les Wings! Première auto sur le start. Aïe, aïe! Aïe, aïe! On se paye une sonnette tout de suite, première box! C'est beau, hein, s'il vous plaît, Mathieu. Congrats. On suit avec une Ruby Brett Hall. Les Blues. 0-15 de 4-9-9. Royal Blue. Cabreza pour le Wild de la 112. Ça part bien certain, ta barouette. On finit la première box avec une autre Ruby Shea Theodore pour Vegas. Les Knights. Close la première. Encore Mathieu. Ok, on se fait de la place, on s'en va dans la deuxième. Deuxième box. Allons-y. On a eu tout qu'un deuxième inner tantôt.
Voyons voir celui-ci. Silver sur 999. Rookie Shane Pinto. Sénateur. On va suivre ça sur 299. Les Brews. Monsieur Cheevers. Les Light Blue. Non, c'est pas ça. Silver Spectrum, pardon. Je me mets tout le temps entre les deux. Les Bruins. Avec la Silver Spectrum. Ruby sur 499. Patrick Kane. Pour les Hawks. Pour ceux qui sont dans le 18-27, on va enchaîner tout de suite avec ce break-là par la suite. Une Emerald sur 99. Guru Power, l'avalanche. Ah oui, François. Oui, monsieur, j'aimerais ça en tabarouette le sortir. Je l'aime donc bien, ce gars-là, moi. On veut Lanny McDonald. Ok, on poursuit avec une Orem. Lightning, Henry Vasilevski. Pour Tampa Bay. Next pack sur 299. Une autre Silver Spectrum, Hamilton. La 196 pour les Canes. Ruby sur 499, Sam Reinhart. Pour Buffalo. À quand notre première double patch dans ce inner? On a une sur 599, Debrinket pour les Blackhawks. Vous êtes en feu. On se fait de la place, deuxième box, plus tranquille un peu. Box numéro 3 de 10. Et on passe avec une Emerald sur 99, Phil Kessel. Pour les Coyotes, la 66 de 99. Next one sur 999. C'est rookie, Boris Kachuk. Le Lightning. Il faut avoir les Coyotes quelques breaks, c'est ça la clé. On a Year One Rookie Sweaters, Bowen Byram. Pour l'Avalanche. Jersey, Dual Jersey, Flyers, Peter Forsberg. 095 de 149. Pretty nice. Ouais, il y a un jersey dans celle-là, Dean. En fait, pour ceux qui n'étaient pas là sur le live d'avant, on a sorti une Lafrenière comme ça. Year One, Rookie Sweaters, et il n'y avait rien dans le trou, il n'y avait pas de jersey. Donc, probablement une belle carte erreur. Next one, hey, qu'est-ce qu'on a ici? Ça sent l'autographe, ça, ici. Autofax, Joe Pavelski. C'est les Stars qui sortent la deuxième auto ici, Ray Voyer. Ben, c'est pas pareil, François, c'est les Coyotes. C'est ça que Mathieu nous dit, c'est les Coyotes. Qu'est-ce que ça prend? Donc, Pavelski pour les Stars maintenant. On va suivre sur 299, Leon Draisaitl, une autre Silver Spectrum. Pour Edmonton, les huileux. Next one, Ruby sur 499, Capitaine Kopitar. Pour les Kings.
Dernier pack de la troisième. On a encore une fois Silver Spectrum. Braden Point, Tampa Bay, la 197 de 299. Troisième box complète. J'ai l'impression que ça va frapper dans la fin de ce inner, moi. Box numéro 4. C'est parti. On a une pink sur 65. Thomas Chabot. Les Sénateurs. 45 de 65. Parfait, j'ai les Coyotes. Watch out, John Felipe dans les prochains. Watch out. Ce qu'on a ici, on a une rookie, je crois. Yes, it is. Moritz Seider. Pour Détroit, on a un petit coin blanc par contre en haut à gauche. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais mettre mon gant à l'arrière. Petit coin blanc, on va la sliver tel quel tout de suite. Voilà. Donc sur 999, la 704 pour les Wings. Nashville, Pekarine, c'est une Netgear. Deuxième qu'on sort de ce monsieur ce soir. Les Preds. Le 199, Dual, le Jersey, Connor Hellebuyck. 005 de 199, les Jets. Le morceau de Jersey et peut-être Redemption. Ça, j'avais pas pensé à ça, Denis. C'est excellent. OK, qu'est-ce qu'on a ici? On a une Autofax Phil Di Giuseppe. Demandez-moi pas c'est qui, je me rappelle pas partout de ce gars-là. Les Rangers, c'est Louis-Philippe ici. Pour vrai, c'est-tu moi qui... c'est pas si je suis tout seul à pas savoir c'est qui pour vrai ou... moi, ça me dit rien vite de même. Là. Je sais pas si vous pouvez m'éclairer, là, mais... quand j'ai vu le nom sur le checklist avant hier, je me disais, Colin, c'est qui, là? Non, j'en ai pas vu, moi, non plus, René Allette. Next one, sur 499 Ruby, Dallin pour les Sabres. Drafté par Caroline de mémoire. Ah. Sur 299, une autre Silver Spectrum, Brad Marchand. 106 de 299 pour Boston. Il a joué un peu en Caroline. 38e choix, t'as 38e en 2012. Wow, ça fait longtemps. 499, Victor Hedman, Tampa Bay. Lightning. Il est en try-out à Edmonton cette année ou Calgary, pas sûr. Ah ben, non, je savais pas ça. Mais on a une carte auto pour les Rangers. Il est rendu dans l'Ouest canadien, mais on a une auto pour New York. C'est drôle parce que tantôt, ça nous a pris 4-5 boîtes avant de sortir une autographe. On n'avait que des doubles patchs, des doubles jerseys. Et là, c'est le contraire, que des autos, pas de double patch encore. Et il a ouvert une pizzeria nue. Box numéro 5. OK, on passe avec une gold sur 50. Monsieur Drake Batherson. Pour Ottawa, 24 de 50. Des cents. Canucks en ce moment, ok.
un bout de Pinch de Brian Trottier, un morceau de Pat de Billy Smith, puis un bout de Jacques, de Clark Gillies. Ouais, c'est précis ça. Oh, ça sent l'acétate ici. Ça sent l'acétate, acétate it is, Mikey Anderson. C'est les Kings pour la première acétate ici. L.A. Pierre-Luc Boudreau. Les Kings. J'ai un bout de jersey qui traîne le but dessus. Alright, next. Monsieur Sorokin, Year One Rookie Sweaters. Voilà pour les Islanders. Monsieur Sorokin. On va suivre avec NHL Remnants, Mitch Marner. Toronto ici, Monsieur Marner. Deuxième moitié de box. Ben, y'a pas de trouble, Yann, fait plaisir. Orum, Joe Pavelski pour les Stars. Dallas. Ruby 499 Kessel, les Coyotes, avec le beau logo. Silver Rookie Addison, Minnesota sur 999, la 426. Et on finit ça avec une autre Silver Spectrum, Brad Marchand, Boston, 107 de 299. Où sont nos doubles patchs? Aucune en 5 bucks. On a un début d'éneur plus tranquille, ça promet pour les 5 prochaines. Ou bien l'autre éneur de tantôt va être méchant, c'est un tabarouette de temps. Box numéro 6. C'est parti. Avec un Emerald sur 99, Jacob Verana, les Wings. 80 de 99. Ils sont dans le prochain inner. Ben hâte de voir. Sur 999, Rookie Robin Salo. Monsieur Salo, le 911 de 999. Yes, Dean, it is. Je présume qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ça ne fait pas être tranquille de même pendant tout un inner. Qu'est-ce qu'on a ici? Threads of Time. Eric Carlson pour les Sénateurs. OK, on a quelque chose de plus épais ici. Come on! Et là que ça se passe. On va enlever les cartes de base à l'endo. On top, on n'a seulement qu'une. Et qui on a sur 25 cette fois? Let's go! Ouais, monsieur! Igor Shesterkin, double patch 3 couleurs. 02 de 25. Louis-Philippe Dupuis. That is a nice one. Shesterkin pour New York. Ah, come on. C'est parti. Pardon. Super belle. Louis-Philippe, congrats. On poursuit ça avec un autre. Orem, Boston, Brad Marchand de nouveau. Marchand pour les Bruins. Nice one. Elle est belle en tabarouette.
499, Mark Strom pour les Flames. La 450, Calgary. Ensuite, sur 299, Silver Spectrum, Rookie, Quinton Byfield. 2-2-1 de 299. Ouais, exactement, Louis-Philippe. Exactement. Et c'est les 25 premiers à faire le 7 qui obtiennent quelque chose. Les 3 premiers ont quelque chose de particulier, un peu plus. Les 7 autres, autre chose. Il y a quelque chose qui s'enlève à chaque étape, là. Puis ensuite, c'est les 15 autres, si ma mémoire est bonne. Rookie Allison sur 499 pour les Flyers. Pour closer cette sixième box. Go Leafs, go! Ah oui, c'est vrai, c'est le deuxième match préparatoire, ça je pense, à soir. Je sais pas, je suis comme au baseball encore. Allons-y, box number 7. C'est parti. Et on passe avec, sur 85, une light blue. Steel. Pour le Lightning, Victor Hedman. 25 de 85. On a ensuite sur 999, Alex Turcotte pour les Kings. La 6,88, première fois qu'on le sort lui aujourd'hui. Ensuite, NHL Remnants, Rantanen. Avec une crotte de nez sur le jersey. Pour le Colorado. Je sais pas si c'est ça pour vrai, mais je veux pas le savoir. C'est une très bonne question, Étienne, mais ils ont pas l'air à vouloir que ça se passe à Toronto. Dual jersey, ben oui! Swayman, let's go, les Bruins! Deux couleurs sur 799, la 516. Les Bruins de Étienne, justement. Here we go. Swayman pour les Bruins. Deuxième pile. Nous avons, qu'est-ce qu'on a ici? Une Autofax, Derek Forbert. Pour les Jets, une auto pour M. Jonathan Monette et Winnipeg. Let's go, Jets! Si ça vous fait rien, on va remplacer Di Giuseppe par Forbort. Voilà, Autofax pour Winnipeg. On suit ça avec Ruby Swayman, deuxième pour les Bruins. 3-6-1 de 4-9-9. On a ensuite sur 5-9-9, Pettersson pour les Canucks. 125. Dernier pack pour finir cette septième box. Et nous avons sur 299 Silver Spectrum Byfield. Pour les Kings. 103 de 299. Pour LA. Allons-y, box numéro 8. Les nouveaux qui sont là pour la première fois, n'oubliez pas de nous laisser votre adresse en privé, s'il vous plaît, question qu'on puisse shipper les cartes. Et on passe avec une Orem, les Flames, Lindholm.
Calgary. On a sorti une Théorène Fleury tantôt, quand même, cool. Théo Fleury. On suit avec sur 299 Silver Spectrum à nouveau, Panarin. La 126. Sur 499 Ruby David Perron. Pour les Blues. .299, une autre Silver Spectrum Hellebuck pour les Jets, la 233. Deuxième moitié. On a ici sur 25 une première Purple. Oh, c'est beau ça, Joe Sakic, come on! L'avalanche, Monsieur Sakic. Colorado, pour M. Robert Fournel, ici Joe Sakic, out of 25. Voilà, rotation ici. On va toujours bien mettre M. Sakic sur notre setup. Comme ça. On a une autre acétate ici. Mm-hmm. Et qui on a? On a Thomas Hartley. On a les Stars de Ray Voyer. Rick a pris les derniers spots du break, si ma mémoire est bonne. Dallas. Pas méchant, Ray. Pas méchant. Acétate, Harley. Ils sont vraiment belles, les acétates. Next one, NHL Remnants, Fiala, le Wild. Le dernier pack de la huitième. On finit cette box avec une dual jersey de Alex Newhook, Colorado dans cette box. La Newhook sur 799, la 136. Voilà, c'est beau. Oui, monsieur, ça c'est bien dit. C'est très, très bien dit. Faites de la place à nouveau. On s'enligne dans la 9e de 10. Et là, on veut rien de moins que les pétards. On veut du gros stock. On veut un monstre. C'est ça qu'on veut. C'est parti, box number 9. Et on a une automne sur 75, Jack Eichel. La 63. Buffalo. Sur 999, rookie Cole Lind-Debin. C'est le Kraken de Robert. On suit avec. Sur 799, dual jersey, rookie, Kalinuk. Pour les Hawks, la 5,76. Next one, Carey Price. Netgear pour le Canadien. Ils sont belles, eux autres. Netgear pour Montréal, Carey. Ah, écoute, j'en reviens pas, René, qu'on ait encore du Buffalo là-dedans. Carey Price pour le Canadien. Base d'Aline, deuxième moitié. Non, genre, exactement. Exactement. Ouais, zéro, Joël. 0-0. Orem.
Bobby Hall. Bobby Hall ici. On va valider pour l'équipe. Il ne semble pas avoir d'équipe ici. C'est All-Star. On va mettre ça avec John LeClair de tantôt. On va checker sur les checklists. Next one. Matthew Tkachuk, Royal Blue. Sur 199, la 23. Deux packs à faire. On veut un bang, come on. Assez tranquille, Sainer. Assez tranquille. Sur 499, Patterson pour Vancouver. Ça semble être la 187 pour les Canucks. Dernier pack. On a une autre Orem et on a une rookie, Spencer Knight. Suivi d'un autre hit sur 599 de Gensel pour les Pingouins. Pittsburgh. On veut un monstre dans le dernier box, come on. Avant qu'on s'en aille dans la dernière box, deux choses. Je vous l'ai dit tantôt, les nouveaux, n'oubliez pas votre adresse s'il vous plaît. Parce qu'on risque de shipper rapidement, c'est un nouveau produit. Vous le savez, quand il y a des nouveaux produits, on se dépêche à shipper le plus vite possible pour que vous ayez vos cartes le plus vite chez vous. Deuxième chose, on a une promo en cours, tous ceux qui sont dans le break de ce soir. À chaque fois que vous avez un spot main, vous avez un spot pour la promo Volkswagen Victoriaville. Ça dure 50 breaks cette histoire-là. On est rendu à peu près à 5 de fête. Toutes les fois que vous avez un spot main, vous avez une chance dans le baril pour gagner des 3 prix qui est là. Un chandail autographié par Guy Lafleur, on voulait lui rendre hommage. C'est un chandail inscribed en plus, très très sharp. Deuxième prix, c'est une soirée sur le bras de Workshop et de Volkswagen Victoriaville. On paye le lunch, on paye la game du Canadien, on s'en va faire un tour à boutique, on a du fun de la soirée, on va gâter quelqu'un, si ça, ça veut dire. Troisième prix, c'est un trio de cartes de Gilles Seine et de Mario Ferraro, nos idoles qu'on a depuis les dernières années avec Workshop. Donc, je me dois de vous faire connaître Volkswagen Victoriaville. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième fois qu'ils nous font confiance pour une promo. Et vous le savez, on ne s'associe pas avec des gens à qui on n'a pas confiance ou qu'on ne connaît pas trop. On sait qu'ils donnent un bon service et on a fait exprès pour prendre une photo avec le ID4. Ce véhicule-là s'appelle comme ça, c'est un véhicule 100% électrique. C'est un véhicule 4x4, c'est un véhicule qui vous masse le dos pendant que vous conduisez. Je vous mens pas, j'ai eu la chance de l'essayer. Ça prend un rendez-vous pour l'essayer parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ils ont la chance de pouvoir réouvrir les commandes de ce véhicule-là parce que depuis le mois de mars, on ne peut plus en commander, c'est pas possible. Mais ça va être exclusif dans la semaine du 3 au 10 octobre. Vous devez aller voir Louis-Philippe Dupuis, lui mentionner que c'est Workshop qui vous envoie. Vous allez avoir un rabais de plus. Vous allez pouvoir l'essayer et si vous commandez, bien sûr, ben vous allez pouvoir faire partie des chanceux qui vont avoir ce véhicule-là. Moi. Mais attendez pas, je vous le dis, parce que d'après moi, au 10, il n'y en aura plus. Mon feeling. Moi, je suis pas un gars électrique d'avance. Je suis un gars très, très à gaz. J'ai eu le privilège de pouvoir l'essayer, de faire quand même une petite ride assez le fun avec. Puis je vous confirme que j'ai vraiment aimé ça. C'est silencieux, c'est tellement isolé, genre, c'est relaxant conduire ça. C'est ça le mot que j'ai trouvé. Bref, allez l'essayer, vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça de cette façon-là. Allez, parti! Dernière box! On passe avec une autre, Orem Clayton Keller. Pour les Coyotes, on a eu quand même pas mal dans cette inner-là, des Orem. Ce serait peut-être bon pour faire le set. Deuxième pack. On a sur 599 Connor McDavid. La 342 de 599. Salut Simon, plein d'énergie! Et by the way, là, je reviens au ID4 de Volkswagen. Je vous, j'ai pris plein de photos, plein de vidéos quand j'ai été là. Je vais vous montrer ça un peu plus en forme de capsule cette semaine. Vous allez comprendre pourquoi c'est le fun. Anthony Mata pour les Caps sur 199. Hey, pour vrai, allez-y l'essayer. Ça vaut la ride à Victo, je vous le dis. Là. Vous ne serez pas déçus, je vous le dis. Prenez rendez-vous. Là. Vous me donnerez vos feedbacks après ça, vous allez voir que je disais vrai. Sur 499, Ruby Charlie McAvoy, la 445 pour les Bruins. Il nous reste une moitié de box, come on! We want a monster! Ce qu'on a ici, on a une pink sur 65. Et pour les Ducks, Jamie Drysdale.
54 de 65. Oh, d'après moi, Chantal est arrivé. On a une pluie de likes et de cœurs. On poursuit ça avec sur 999 rookie Ryan Merkley pour les Sharks. San Jose. Ensuite, on a NHL Remnants, Romain Yossi pour Nashville. Predator, yes, Chantal est là. Je ne me suis pas trompé, tabarouette. Ah, mais je vous le dis, là, c'est capoté. Je marche au gaz au bout, moi, avec, là. T'es habitué avec les gros moteurs, puis tout, puis là, j'ai pogné deux minutes. Et on finit ça avec une Emerald sur 25. Ben oui! Let's go! Les patchs sont pour les Rangers ce soir. Mike Richter! Mais c'est donc ben cool pour les Rangers! Double patch sur 25 pour New York. Pour Louis-Philippe, justement. Les Rangers qui se payent les doubles patchs ce soir. Let's go! Voilà, il est complet ce inner. Plus tranquille un petit peu. Plus tranquille que les deux autres qu'on a ouverts. Ça promet pour le prochain, j'ai l'impression. Allons voir ce qu'on a sorti dans ce break. On va se faire un petit wrap-up ensemble. Comme ça, comme ça. Et comme ça. Allons-y. On a eu Di Giuseppe Otto pour les Rangers. À quelle heure le prochain break? Laisse-moi le temps de finir celle-là. On a eu Swayman double jersey pour les Bruins. Ensuite, Sorokin. Year One Rookie Sweaters, The Isles, Care Price, Netgear. Le Canadien. Maybe, hope so, Dean, hope so. New Hook, double jersey pour l'Avalanche. Forbert pour les Jets, c'est Otto. Joe Sakic sur 25. Anderson, c'est une acétate pour les Kings. Même chose pour Harley et les Stars. Ensuite, Joe Pavelski, auto pour les Stars. Double patch, Mike Richter sur 25. Double patch sur 25 de Chesterkin. Les goalies de New York qui s'en donnent à cœur joie pour Louis-Philippe. Et on finit pas le choix avec notre premier auto du break. Lucas Raymond pour les Wings. Et pour Monsieur Mathieu Yogg. Pretty nice. Bien, bien hâte de voir le prochain break. Si vous avez rien à faire, syntonisez Workshop parce que d'après moi, ça va brosser. Oh, pardon. Feeling, encore une fois. On s'en tourne en mode grosse face présentement 2043. On me surnomme Alan Buffer. Merci tout le monde d'avoir été là pour ce Inner de Artifacts. On se revoit tantôt pour le prochain. Il nous reste le Late Night Break aussi que je vous ai sorti tantôt. Allez voir ça. SP Authentique, Black Diamond, Artifacts. Ça va finir en force, j'ai l'impression. Bref, j'ai aucune idée s'il est complet ou non. Mais allez voir ça, je vous l'ai sorti tout à l'heure. Merci tout le monde. Je vous laisse. On va aller se préparer pour le prochain. On se dit à tantôt. Sinon, je vous dis à bientôt. Merci. Salut.